Toutes les femmes le savent, il ne faut pas consommer d'alcool pendant la grossesse. Le point pour mieux comprendre les risques, avec le docteur Sarfati Lacronière, médecin nutritionniste. Tolérance zéro pour l'alcool, c'est une campagne que vous allez croiser chez votre gynécologue parce que c'était une décision des autorités de santé, étant donné que l'on connaît les dommages de l'alcool à consommation régulière sur le fœtus. Et ce sont des dommages, entre autres, neurologiques. Des retards plus tard qui peuvent énormément invalider et handicaper l'enfant. Donc tolérance zéro, mais il ne faut pas non plus en faire toute une histoire. Un anniversaire, une fête particulière pourra être accompagnée d'une coupe de champagne ou d'un verre de vin. Donc il s'agit là de une fois de temps en temps. Votre futur bébé ne risque rien si vous prenez un petit verre d'alcool de temps en temps, mais en aucun cas. Cette consommation doit être régulière et quotidienne parce que là, les risques, donc en particulier neurologiques, sont importants.